On se nous zolo, nous humoristes, nous venons d'assister à une marche pacifique au Congo, au pays, mais il s'est passé des choses incroyables, intolérables. La police, qui est censée protéger les personnes et leurs biens, s'est mise à maltraiter la population, à traîner même les enfants, à même les sols, tabasser et la population qui est censée protéger. Quelle est ta réaction en tant que la porte-voix de cette population, de ce peuple, mes silences? De besoin, je te dis d'abord, vous-même, vous savez, nous sommes RDC, pays des soifs. Tout s'est fait sous l'effet de la soifferie. Même et même les autorités de la police, quand ils ont dit « faites le travail bien ordonné », ils ont donné les ordres. Mais nous, c'est toujours dans la bavirette. Je suis venu à la maison, asseyez-vous avec maman et les enfants. J'étais en communication avec le boss de David Manga. Je dis, je regarde une image, un enfant mineur dans les minéreuses. On te tire dans le sol, au sous-sol, dans le sol, en plein soleil du Congo, comme on tire la sac du nien, donc la sac de rien. Je dis, qui ses parents qui va aimer son enfant, on tire comme ça dans les marches. Pourquoi les marches de politique au Congo, ça finit toujours par les bombes lacrymogènes, ça finit toujours par de violence? Je suis déploré ça. Je suis déploré ça à tant que papa, parce que toujours les polices, les roulages du pays, toujours il fait les choses au-delà de ce que les autorités il a envoyé. Est-ce qu'une autorité il a envoyé tirer les enfants d'abord comme ça en sous-sol? Est-ce qu'on vous a envoyé faire ça? Même les policiers ils tirent les enfants en même temps, ils mettent les deux doigts. Moi j'ai vu la vidéo, ils mettent les deux doigts à quelqu'un. Ils sortent quoi dans la poche de quelqu'un? On tire avec les grenades, grenades sont gonflées. Oh papa, il a fermé les policiers en train de mettre les deux doigts. Papa, abandonne-moi, oh tiens avec les grenades. Grenades, pourquoi ça ne te gonfle pas? Même moi-même. Je te dis, j'étais fermé au Congo dans la voiture. Je viens là, le roulage, il me met moi à côté. Papa, je dis quel motif? Je donne la, le vidange, je donne les cartes postales, je donne le permis de conduire. Malgré lui-même, le général Kassongo, il a dit pour l'instant, nous ne sommes pas au permis. Mais ils m'ont demandé les permis. Après le roulage, ils me demandent les actes de naissance. Quoi? Papa, actes de naissance dans cette circonstance routière. Après, ils lui jettent la coudée dans la voiture. Ils disent, j'étais fermé sur toi pour le surchargement. Surchargement dans cet pays, tout le monde, il est chargé. Au même temps, quand il m'a arrêté, une voiture, il passe avec le sac de semoule de foufou, il est mis en bas. Le voiture, il te dort comme s'il va faire les tombées. Je dis, regarde le surchargement entier, il est là, il passe, mais toi tu vois le surchargement parce que je joue avec une voiture de luxe. Je veux interpeller les policiers, les roulages. Faites le travail comme on vous envoie. On t'envoie le travail, mais toi tu fais toujours avec excès de zèle. Même tu vois dans les bars au Congo, à l'époque quand nous sommes grandis, quelqu'un il part, il boit la bière normale, mais aujourd'hui toujours le surchargement. Une boisson avec des arbres. Après, vous allez pleurer, nous sommes au réchauffement climatique. Le Congo, nous sommes le pays qui cause les réchauffements climatiques parce que les arbres, ce n'est pas pour donner la vapeur, pas donner de l'air, mais ils donnent l'appétit soif. Pourquoi nous pouvons concentrer la paix dans la soif? Papa, je définis là parce que je suis monté, je pars à rendez-vous le 24 juin à la concert de feu comme ça. Et qu'il faut l'aile. Écris-moi l'aile, tiens ma sauce,